Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester un truc qu'on n'a pas encore fait. On va tuer quelqu'un au piège. On va essayer. Et on était en live avec Wisetug, on était en squad. Et on s'est mis à parler un petit peu de livres, de bouquins, d'orthographe et de cours et de savoir ce qu'on avait fait comme parcours scolaire, tout ça, ce que ça nous avait apporté. Enfin voilà, je vous laisse la vidéo. J'ai fait quelques cuts, j'ai fait pas mal de cuts, j'ai coupé quand même pas mal de morceaux. Et je vous laisse le principal, les kills et puis la tentative de kill au piège. Bonne vidéo à vous, j'espère qu'elle vous plaira. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent sur la chaîne, les défis Fortnite, les tutos, un tournoi que j'ai organisé. Il y a d'autres tournois qui vont arriver que je vais organiser et caster sur Fortnite, donc tenez-vous au courant. Il y a deux escouades en tous les potes. On se tient la main, j'arrive. Ah mais Nick, t'allais pas avec nous lui. Ah ouais. Je crois qu'elle a pris la bombe, fais gaffe. Ouais. Putain. Chaud. Juste un gun. Je te laisse prendre les coffres. Putain, pas un coffre. Y'a du monde shop. Et une escouade avec nous là. Putain, y'a pas de coffre, Nick. Ça va sinon, ça se passe bien chez vous là? Tiens, y'a un mec là. Nice. Ça n'y tient. Oh, là, regarde, là. Cette arme est trop pétée. Au-dessus, 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 au-dessus. Nord-ouest, juste au-dessus de nous, là. Dans le. Là. Pété, mais elle est pétée cette arme. Ah, une grenade boogie woogie. Boogie boogie. Si t'as des petites potions, je veux bien aussi. Il y a une scarpe dans ma maison, Yannick, là. Ma maison rouge. Une quoi? Une scarpe. Un bleuvage. Un bleuvage, pardon. D'accord, j'arrive. Un bleuvage. C'est vrai que c'est moche. Un slop. Merci, Bing. Moi, je dis, il faudrait 2 heures de lecture par semaine. Du CP. À la terminale. J'avoue, en classe. En vrai mec, en classe, de la lecture ou n'importe quoi qui se rapporte à la lecture et au français autre que apprendre bêtement le français, ça manque tellement. Après on présuppose que les gens le font de bonne, bonne volonté, tu vois. Mais... ouais non mais personne ne le fait et en plus on nous aide pas forcément. En fait le truc c'est que franchement la lecture quand t'es gamin et tout, genre si t'y prends pas goût. C'est vrai que c'est plus facile de se mettre devant un film, je sais pas quoi, bah oui. un jeu, et d'être content, tu vois. Bah oui, c'est pour ça qu'il faut y prendre genre ça, dès le début. Faut, ça, ouais. Faut apprendre aux enfants et tout d'apprécier de lire. Enfin, expliquer, ouais, voilà, c'est un moment genre à vous, personne vous casse les couilles, vous imaginez ce que vous voulez. Même ton bouquin, c'est toi qui imagine toutes les scènes. Ouais, t'imagines les décors, t'imagines tout, donc... Je sais que Cathy est très friand de romans érotiques. Non mais ouais, tu vois genre c'est vrai la lecture, si t'y prends pas goût... Peut-être que c'est fait exprès, on sait pas. Non mais c'est possible hein, théorie du complot tout ça... Plus facile de contrôler des ignorants que des... Bah complètement hein. Eh, hein. Depuis la nuit des temps hein. Ne pas éduquer les moutons, ça marche bien. Eh, ils se rebellent pas ou quoi. Mais par contre c'est vrai hein, qu'on régresse et que genre en prépa les programmes ils ont changé. Ils ont été simplifiés. Parce que y a certaines formations qui... En gros, tu sais, ils pourraient monter le niveau de certaines formations, mais ils préfèrent baisser le niveau des prépas parce qu'elles sont trop fortes. Du coup, c'est full descendre le niveau de tout en permanence. Enfin, c'est... Bon, mon prof de physique, il a pris sa retraite, du coup. Quand il a vu que le programme changeait et que tout était simplifié, il a fait « Oh, c'est bon. » J'en ai marre. Ça fait 50 ans qu'on diminue tout, j'en ai marre, je prends ma retraite. À la base, je venais voir ton live pour faire une pause dans mes études et vous parler encore d'éducation. Je suis dans la merde, les mecs. La pause. Tu vois. Ah.
Eh bah, ça fait du bien de jouer à plusieurs, parce que quand je suis en solo, ça se passe pas comme ça. Et là, je mets des trucs, c'est trop bien. J'adore. J'aime le jeu. Ah, j'ai une boogie woogie aussi. Vous avez des roquettes? Ouais, non mais... Après, t'as des profs, tu vois, qui... Moi, je sais que... Je crois que c'était... C'est notre pote Colsex, genre... sa prof de français de 3ème était fan de George Orwell. Et c'était... tu sais, il faisait tout le... Genre, tout ce qui était classique, et ils leur ont fait lire 1984, tu vois, genre à des ados de 14-15 ans, ils avaient adoré. Et genre... Enfin, je sais pas, t'as plein de façons de le faire, en fait, de donner goût à la lecture aux gens, et... Ouais. Ouais. Mais bon... Ouais, ouais, ouais. J'ai pas beaucoup lu de livres, hein, en vrai, dans ma vie. Je suis pas un exemple pour ça, mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. Les super chats, c'est net d'impôts. Non, non, rien n'est net d'impôts. Vous êtes fous. Rien du tout. C'est ouais. Pas la... Ah, il y a des mecs loin au fond, là-bas. Ah, il s'est arrêté pile à ce moment-là. J'ai pris un tir de sniper. Je suis dans la merde. Je sens. C'est bon. Derrière moi? Au-dessus? Au-dessus? Ouais. Je vais garder la boogie woogie en main. J'ai pas de soin. Oh, au-dessus? Oui, je saute une nous. Bien joué. Bon, 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 au-dessus, il y a un peu de soin. Parce que... Knock. Putain. Gaffe d'en face, ouais, je vais prendre du tir de fou là. Ouais, j'arrive. Y'a du soin là. J'ai des mythes. Wow, wow, wow. Merde! Oh putain! Oh, là, là, oh putain, je suis désolé mec! Je peux pas venir les gars, hein. Y'a deux escouades en face de WAM en fait. Ah si, je peux venir, ils sont en train de se faire écraser. T'es bon? Vous avez tous éliminé ou quoi? Ouais. En haut ça joue génial. Les gars j'essaie de push en haut. Ils se sont fait engage en haut. Je vais peut-être crever. Hein. Je tente. Il y a une escouade qui a engage une autre. Au tempo sinon si tu veux. Bah, y a moyen qu'ils se heal et tout. Là, donc. Moi j'ai fait un back S. Yonix aussi je crois non? Ouais. Et Katyn aussi. Et toi Nickton? Pas moi. Style 2D. Ok. Bah, c'est un peu le même délire quand même. Ouais, il y a une petite branche qui se suit. Moi je voulais faire L, on m'a dit tu ferais jamais rien de ta vie avec L. J'ai fait. Et du coup, t'as jamais rien fait de ta vie jusqu'à S parce que tu te décides à plus faire d'études. Voilà. Non, monsieur, je finis mes études, mais rien à voir avec la. Non, mais la c'est S, ce que je suis en train de te dire. Genre, tes études, tu les aurais pas faites, t'en serais peut-être au même point, tu vois. T'aurais peut-être gagné du temps dans ta vie. Après moi je pars pas de ce principe là parce que si j'avais pas fait mais les études que j'ai fait là j'aurais peut-être pas acquis tout ce que... Enfin toutes les façons de penser, de... Les rigueurs, les machins, les trucs. Si j'avais pas fait prépa j'aurais peut-être pas acquis plein de trucs. Le truc c'est que t'as vachement de... Mais j'ai perdu les années. Vachement oui, à faire des études, t'as beaucoup de gens qui font des études parce qu'on leur dit de faire des études. Et bah, c'est sûr, faut savoir faire des études aussi. Faut savoir faire des études, tu vois c'est pas juste... Aller en cours, ça te laisse du temps, ça te laisse interagir avec des gens, t'as des contextes. Non, mais tu peux interagir avec des gens au travail. Ouais, tu vois. Non, mais oui, mais c'est pas le même rapport que t'as avec des gens au travail, oui, oui. Dans la majorité des tâches. C'est quand même bien de pouvoir classe, continuer fac, les cours, faire la fac et tout, et aller jusque là-bas, et tu rencontres des gens différents. Ça t'apporte des trucs, mec, hein, genre socialement. Ah non, mais t'inquiète pas, j'étais un espèce de gros. Donc je sais aussi. Ah, y'a un mec à côté de toi, contact, toi, essaye. Ok. Il a l'air de bien s'en occuper, tout va bien. Ah oh, quoi que ça a failli mal se passer. Oh non! Nickel lui là. Nickel lui là. Il a pas touché là? Sauvez-moi! Y'en a un qui a de l'eau. Ah, oui, non. Ah, je veux dire, je regrette pas du tout d'avoir fait des études. Après, il y a des cours dont je me serais passé, mais. Ouais. Enfin, vas-y, lave-moi tout de suite si tu peux. Merci beaucoup. En vrai, j'ai fait prépa, mais pour aller en informatique. Et du coup, bah, j'étais en retard par rapport à tout le monde. Parce que tout le monde avait fait IUT Info.
Et j'avais la flemme de bosser parce qu'on m'a toujours dit en prépa, ouais, en école d'ingé, après c'est tranquille, vous avez pas besoin de bosser, enfin beaucoup moins. Et du coup, j'ai redoublé mon école d'ingé que j'ai arrêté. Je suis allé en IUT Info pour me dire, il me faut un diplôme, et je l'ai abandonné parce que je me suis dit, non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Donc, un diplôme pour un diplôme, ça sert à rien. Et au final, j'ai fait bac plus 5 pour avoir aucun diplôme, donc j'ai le bac. Voilà. Voilà, voilà mes études. Mais il y a des choses qui étaient cool quand même. Donc. Je crois que ma prépa, c'était. Ça fait partie de mes meilleures années de ma vie. Comme quoi. Non, mais après, c'est différent pour tout le monde, tu vois. Mais je dirais que pour la majorité des gens, être en contact avec des étudiants, les trucs, pour continuer de te former à l'âge adulte, c'est bien les études, tu vois. Genre. Parce que t'es en rapport avec des gens de ton âge, donc t'apprends à grandir entre guillemets avec eux, tu vois. Bah oui. À te faire à ta personnalité, pas te laisser faire. À te faire bâcher. Non mais ouais, en vrai, tu vois, c'est genre même t'imposer dans les groupes quand t'es pas d'accord. Enfin, t'as plein de trucs en fait que quand t'es au taf, t'es pas d'accord, ton boss te dit ferme ta gueule ou je te vire, connard, tu vois. Parfois. Alors que quand ça t'es dans un arriver, groupe de travail, bah, c'est différent, tu vois, tu peux t'imposer à niveau égal. Enfin, je sais pas, genre t'as plein de trucs qui s'apprennent en dehors, quoi. Et oui, bosser pour soi, c'est génial. Depuis que j'ai la chaîne YouTube, chaîne Twitch, mais t'es tellement bien. Tu as tes horaires, t'as tes machins, t'as ta micro-entreprise et tu fais tes trucs. C'est tellement bien. Ah, y'a un mec là. Plus de balles. Faut le vouloir hein, pour faire médecine. What? Faut le vouloir au plus profond de soi-même. Ouais. J'y crois pas. Enfoiré. Ah non. Bah, j'ai mis 72 au dernier. Je vais essayer de le boogie woogie. Attendez, je boogie woogie. Ce qui m'a mis. Boogie Moogie. En vrai, je me suis même pas rendu compte que c'était toi, mec. Mais après, je me suis pas excusé, quoi. Je crois qu'il est à l'intérieur de la structure en métal. Ah oui, il est là. Boogie Woogie. DBD. On piège. On arrive. Piégez-le. Restez en vie, nous arrivons. C'est vas-y. Ne le tuez pas. Piégez-le. Oui, attends. C'est bon, mais faut mettre des pièges maintenant. Oh non, j'ai pas réussi à le mettre. Mathieu Insta. Bah du coup, vous avez pas un piège là? Mais moi je suis mort, mec. Mais je sais, t'es bon, mais j'essaye de 13, mais je peux pas. Non, je peux pas. Attends. S5. Bon, faut le déshabiller lui, je pense. Hop. Oui, c'est bon, il va mourir. Il va mourir. Allez mec, meurs. Putain, enculé. Oui. Allez. Meurs enculé. Oh, j'ai mis tellement de pièges à l'intérieur. Il y avait sur tous les murs, sur les plafonds, sur le sol et tout, j'en avais 5 ou 6. Mais partout. Oh. J'ai jamais tué un mec au piège comme ça en finale, je suis content.